Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Heureux encore une fois de plus d'être devant vous pour vous présenter un nouveau numéro où nous allons parler de notre chère République démocratique du Congo. Dans notre dernière émission, nous avions parlé de l'état de siège. Aujourd'hui, nous pensons encore une fois de plus que nous allons y aller avec le même lancer, donc Tokolobelaka Likambo Oyo, parce que c'est ça l'actualité. Donc l'actualité est vraiment très préoccupante. Mboka na biso ezokota na étape moko oyo. Il y a des choses à dire sur on ne sait pas. Donc étape oyo mboka na biso tozokota na kati eza époque oyo quand même nga naza komona yango neti époque oyo en 96 lorsque l'armée rwandaise avec à la tête il y avait Kabila na ba tu AFDL tango ba kota ki na Kivu. Donc quand ils entraient vers les Mera et tout ça, je me revois encore un peu dans cette na étape wana, parce que étape wana ezalaka pe na ba inconnu belé, et puis la population nous qui étions à l'est à ce moment-là, nous tozalaki sur place après ba guerre ba Il y a donc bah génocide à Rwanda, tout ça. Il y avait une certaine inconnue moko boye tozo ebate avenir ango kozo tozo kende wapi. Petit à petit les choses prenaient forme, et puis lorsque le force de l'AFDL ba kotaki siko ba komi ko expliquer biso que non toye poto chasser Mobutu et tout ça. On n'y croyait pas tellement, mais qu'est-ce qui nous a fait comprendre maintenant que les choses étaient bel et bien entrées dans une phase non-retour? C'est lorsque Bukavu était tombé, lorsque ma ville à Goma est tombée, ma ville au était comme qu'on continuait. Aujourd'hui, c'est la même chose, Bandeko. L'armée ougandaise est sur le territoire congolais. Il n'y a pratiquement pas de connu. On peut éviter ce qui s'y cause. Statue ni nango, est kozala nango. L'armée ougandaise vient pour attaquer balobi ba ekoluka ba ADF, les rebelles qui continuent à attaquer leur pays. Donc nous allons parler de ça. Tokosa la essaye, tokota la ndenge nini, makambo ango ezokende, et puis qu'est-ce qui se passe, à quoi la population congolaise peut s'attendre na entrée ya armée ougandaise sur le sol congolais. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet, et puis nous revenons tout de suite après pour développer notre sujet de l'état de siège, l'avenir de l'état de siège à l'est, dans les deux provinces à l'est de la République démocratique du Congo. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC, le Sénat adopte pour la 13e fois la prorogation de l'état de siège. FARDC, UPDF, armée ougandaise, après des bombardements de l'armée ougandaise, 27 civils s'échappent de main de ZDF à Beni. On va sur actualité.cd. Intervention de l'Ouganda contre ADF. Nous ne sommes pas incapables de neutraliser cette menace, mais nous avons besoin de concours de tout le monde, dit le FARDC. Plaidoyer pour les réparations que réclament concrètement les survivantes. On va sur Congo profond. Kimbanseke, combat sanglant entre deux frères pour le contrôle d'une parcelle héritée. Et puis Sud Kivu, Théon Ngouabidje éjecté. On va sur 7/7. 7/7, Dodo Kamba et Abdallah Mandala, élus président et vice-président de la plateforme de confession religieuse. Et puis les ADF sont aux abois, dit l'armée. On va terminer par Radio Okapi. Deux morts dans un accident de circulation sur le boulevard Lumumba à l'entrée de Petro-Congo. Et puis l'Issala, tension entre les séminaristes catholiques et les habitants à la suite d'un conflit foncier. Merci, on se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, Bandeko, toza awa, toza na situation moko, eza vraiment préoccupante. Donc, situation ezali
que non, armée ougandaise doit intervenir à l'est de la République démocratique du Congo. Na banzi na émission nanga passé, j'avais dit que il n'y a que les deux présidents de la République, donc Félix Tshisekedi et puis Yoweri Museveni, qui connaissent les clauses de cette intervention. Baye kosala nini? Bon, na côté na biso tokolobelango nanu mwa après que toloba na côté à Uganda, parce que nous suivons aussi actuellement ba discussion na parlement ougandaise, baza komi tout na balobi, mais toke Congo kosala nini? Qu'est-ce qui se passe? Toke eloko nini yango eza na Congo oyo ekoki kozala discuter na parlement te? Ce que Félix est en train de faire au Congo, c'est pratiquement ce qui se passe en Ouganda. Ouganda, na parlement na bango pe bazalaki surpris que non, armée na bango eza kokota Congo. Ce n'est pas tout le parlement qui est d'accord. Bandeko, na ndenge Afrique toza ko évoluer, nous devons nous respecter. Ata toza na ba hégémonie ya koloba ke non toko conquérir pays moko boye, parce que bango kuna baza na eloko te, bango kuna baza organisé te, nous pouvons aller faire ce que nous voulons. Dernièrement, na parlement ougandaise, ils ont fait faut montrer que ezalaki très important que bango baya kokotisa babongisa banani banzela na kati ya République démocratique du Congo, parce que na Congo ba business na bango ebandai ko fleurir trop. Dernièrement, j'ai suivi aussi un journaliste mais azbandai ko loba ke non, l'Ouganda a construit des routes au Sud-Soudan. Ça, je ne peux pas l'affirmer, mais je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que na ndenge wana baza kokende ko construire banani wana banzela wana, c'est pour favoriser que non, économie na bango eza ko tirer ba dividende belé na ba situation oyo eza na kati ya ba voisins na bango oyo situation eza stable te. Et ils pensent que non, Uganda ekoki ko profiter ezala approvisionnaire, donc bazala ba recours ba profiter na mbongo oyo eza kouta na kote ya Sud Sudan ou bien na Congo po e booster ekonomi na bango, parce que ba échange na bango mingi ezalia eza kouta mingi eza kopesa ba million, et puis ça augmente toujours de plus en plus que la situation eza mabe na kati ya ba pays na biso Sud Sudan na RD Congo na kote kuna. Ekonomi ougandaise eza ko prospérer. Ah, donc ils doivent en profiter. Konani na bango te koko kondane bango te, mais ils doivent en profiter au maximum na situation oyo baza ko eza konani. C'est pour cela qu'ils s'engagent même à Kolobano. Ceux qui te construisent la ta banzela na situation oyo bato wana baza nango, banzela wana ko faciliter biso ke non ba évacuation ba biloko ou bien ba commerce na biso entre business na côté kuna et ko fleurir bien. Vous allez remarquer avant Likambo ya ba Ougandais, président Tshisekedi alobaka ke non, Félix hein, alobaka ke non ba Kenya ba koya. Qu'est-ce qui se passait exactement? Je vous avais dit ici un jour, na lobaka na bino na lobi, ce n'est pas eza eloko mon côté. D'ailleurs, le président Kenya était même venu à Kinshasa pour demander autorisation à la ce que ba Kenya peut pas intervenir pour na koluka ba ADF ou bien pour na kosilisa ba makambo eza koselema na Congo. Où est-ce qu'on en est? Les Ougandais, les Kenyans sont venus? Ça, c'est une question mark, question éthique. En tout cas, tous avons information mingi te. Mais nous savons qu'il y avait une équipe d'avance qui était arrivée. Et comme na Beni, et puis il y avait, je ne sais pas, une certaine bataillon. Je vous dis maintenant la vérité sur cette intervention. Il y a Kenya na région ya nani ya Ituri kuna ezalaka nini. Et puis je vous avais déjà même dit ça tango ba inani nani président Kenya yaka na Congo na yebisaka bino. Et puis je vous avais mis l'image de beaucoup de camions ya pétrole ba citerne ya ba pétrole o ebanda ki ezalaka bloqué justement na nzela wana, parce qu'il y avait des codeco, il y avait beaucoup de ba na frontière kuna ba. Donc c'était un backlog que
le président Kenya était venu à ce qu'a sa président Tshisekedi que non biso ba biloko na biso ekangami, ça faisait de mois et de mois que ba camion ekangami. Il y avait une centaine à peu près ce qui ba 500 camions et ba citernes ya ba pétrole ya ba nini o ekangama pétrole na ba marchandise na bango ba commerçant Kenya. Alors le président était lui-même obligé à ko intervenir ayaka ko yebisa nani président congolais et donc Félix que non atika bango bango ba kende ko sala musala wana. C'était sous forme masquée. Batouana bayaka basalaka musala na bango ba camion ekotaka tout ça et que est livré et zongi na bango batubango bazongi na bango. Donc c'était ça le but ya intervention kenyane nanani na côté ya RDC. Ils sont venus et ils ont fait leur travail. Makambo ango sukape nango nengwana. Est-ce qu'ils sont venus attaquer les phares les ADF? Non. Bon lelo oyo tozo yoka ba Ougandais ba ye ba lobi bon ba izoya ko attaquer ba ADF. La grande question est celle-ci bandeko biso petoza la dupte. Il y a des tueries chez nous, oui. Population na biso koki ko ndima vraiment batwana baya parce que pour kimia et kota. Nous avons besoin de cette paix à l'est. Qu'importe ce qui viendra ko utawa pime. Batoubazan a besoin de paix. C'est ça qui est le besoin essentiel de la population à l'est de la République démocratique du Congo. Paix d'abord, c'est ça l'essentiel. C'est ce dont nous avons besoin, nous Congolais, kuna na est de la République démocratique du Congo. Bilo konyo sosiko, oye koko tana katiwana, ezali, comment nous allons y arriver? Il y a liboso na nous. Nous devons savoir, nous devons connaître Monguna eza nani. Nani angwa za kotia mizozozozo o nyoso na est de la République démocratique du Congo. Posons-nous la question. Est-ce que na armée congolaise phare de ce toyebi ba ennemi o baza ko sala kuna? Est-ce que nous pouvons identifier que celui-ci c'est un ADF? Tant ou armée ougandaise sali ba frappe na bango. Est-ce que baza sûr que ba frappé na batu o baza ba ADF o baza ba ko o bango ba ekoluka? C'est ça le réel problème que nous devons nous poser. Est-ce que batu wana ba kufa ki ezali ba ADF ou bien zaka ba paisible citoyen? Le phare de ce n'a jamais identifié que non Monguna ADF yeyo. Toyoka kakaka. Batu ba kangama on n'a jamais jugé ces gens-là. Et c'est là le problème de notre pays. Toza trop des aventuriers, ba aventuriers, na benga kibino ba aventuriers, ba to boza na Kinshasa, c'est parce que jugement moko ezala kate, eloko moko ezala ka, esalema kate, bokolo ba kaka boye, bo planifia kata, eloko moko te jamais, na Congo tozi to sala eloko ke to planifia, ango to identifie, problème ezali, awa to kotakle problème, oyo, na ndenge ya boye, ABCD, jamais, esalema kate, c'est ça le problème. Et si les Ougandais sont venus, na ba close nini bandeko. Ils sont venus faire quoi? Ba ADF ango ba ye ko luka. Ba ye bi place ba ADF ango bazali. L'armée congolaise qui a fait à peu près 6 mois là-bas, bon, na le ban état de siège, ils ne nous ont jamais présenté que non, oh, ba ADF, baza, ABCD, ils sont armés comment, ils sont fait comment, ils ont fait ceci, ils sont comme ceci. Ils ne les ont jamais identifiés. Si koyo batu, ba Ougandais, oh, ba zoya koya, est-ce que bangode moutou ba yebi ba ADF? Y a-t-il i que to yebi que ba mokonzia ADF ezatel? Place na bango basalaka ba se réunissa baka bas arrière na bango zali place telle. Est-ce que toyebi babilo kwana tout? Il y a beaucoup de questions qui restent aujourd'hui sans réponse. Donc l'intervention kenya na ougandaise eza koya kaka na loyenge kaka eza koya na loyenge. D'ailleurs je suivais un monsieur qui disait que non bato ba ko porter responsabilité à makambo oyo eza ba far de ces surtout le porte-parole ou abandeko kumi safar de ce que notre zo beta musale zo salema. Vous allez remarquer que les deux jours oyo armée ougandaise ezaki kotia pression na Félix a kayeb sabango bakota, les massacres se sont multipliés. Ba massacres se multipliés kozi ki sa mituka tout ça mituka na eziki sa mina banani.
ezaba ADF ou bien ezali kaka batu oyo ba farde. C'est parce que moi je détiens aussi des preuves que tout ce qui se passe là-bas c'est ezaba machination ya FARDC. Biloko nyonso esale makana est kuna ezaba machination ya FARDC na MONUSCO. La population avait déjà donné une solution pour na likambo o toloba kabo e na likambo oyo tolobi likambo nyonso tout avant to sa to zwa kimia na est. Cantonner d'abord le FARDC, yebisa MONUSCO et kende. Pourquoi nous disions cela? Parce que la plupart, yaba généraux, lelo otangu bako bako zala mission na bangwe kosi la, ce sont des grands bwana, ba yebi, ba machination ebele, ba trafic ebele, et tout ça passe par où? Passe par l'Ouganda. Naba misusu msu tokomi koyoka awa keno. Ba colonel na ba généraux msusu o baza kote Ituri, ils ont des histoires ici en Afrique du Sud, ezo ya ndenge nini tokoyebisa kabino pe ya eza ba secret o tozo detenir awa tolingi te ke to pesa yango pour le moment eza nanu opportunité. Donc c'est ainsi que l'armée congolaise n'a jamais été sérieux bangone mtu baza kosala ba biloko oyo. On parle des politiciens qui s'en mêlent, on parle, tout le monde est en train de mettre tous. Donc, des ordres ezana Congo en partant par la politique, tina kati armée. Batounyo, surtout bazaba aventurier, tout le monde cherche un peu à prendre profit nandenge naye. Moutouté azako bundela lobi no to bongisa mboka oyo. Bandeko, tout ça c'est ce que je vous parle tout simplement et c'est un peu. En l'air, donc, na likolo. Mais ce qui toke na kati, je crois que je reviendrai encore une fois demain sur cette histoire ici pour na expliquer bino, na pesa bino, nani, l'inquiétude et l'inopportunité, y a armée ougandaise kokota na Congo. L'armée ougandaise est là pour ses propres intérêts. Bako futa makandenge nini? Est-ce que le Parlement sait? Il n'y a que Tshisekedi qui sait ndenge nini akofuta nani akofuta nani wana kokoti sa mapinga ya ndenge wana plus de 5000 hommes qui sont entrés na Congo. Vous savez combien ça coûte pendant que les Ougandais eux-mêmes se disent que non tozana nu na nyongo ya batu wana biso pe lisusu tozo kende kuna. Est-ce que ce n'est pas une façon de dire que non tozo kende kotie la bino kimia kuna? Au lieu de foutre ce qui 10 milliards, wana, toko foutre en gros les sous-soutés parce que tostie libino kimia. Tout ça, ce n'est pas clair. Il n'y a que le président Félix Tshisekedi qui devrait nous dire, qui nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Bandeko, ba émission nanga nyoso, quand je viens ici, ce n'est pas pour que nous venons dénoncer ou quoi que ce soit. Nous venons souvent apporter notre point de vue et les solutions qui doivent être appliquées. Bandeko. Solution nanga ezami balete mi sa touté nalobaka toujours que solution ya est et doit être globale. Ya ngonde solution kozala appliquer à partir même ya Congo central ti Kasumbale sa ti okena mobai mbongo. Solution ezaka kamoko c'est l'administration, rétablissement ya administration, rétablissement ya autorité à l'état. Comment est-ce que nous pouvons refondre notre état? Bakasayele lo bazako inana, le Congolais ne s'aime pas partout. Nous devons faire quelque chose. Eza makambwana vita, donc les guerres qui sont à l'est ne termineront jamais par le canon. La solution est globale. Vous allez voir que les Ougandais qui vont venir, ils vont accompagner leurs actions avec des actions administratives ya kolobake non. Maintenant que nous sommes là, maintenant que nous vous avions donné la paix, nous allons commencer à faire d'autres choses. Au-delà de l'intervention de l'armée ougandaise, qu'est-ce qui se cache derrière? Bandeko, nous sommes à deux pas de la balkanisation. Déjà, l'Ouganda va commencer maintenant à influencer les choses, même en République démocratique du Congo et à Koloba. Bon, s'autodéterminé, bon, longo à côté à Babilo Kwana. Nous allons même avoir des référendums et à s'autodéterminer pour la balkanisation de ce pays ici. Bandeko, ça c'est un grand pas que la balkanisation a franchi. Nous devrons y arriver. Lelo, on a l'oba qui sous la dernière émission, on a l'oba qui est mawa trop que cette histoire arrive pendant que Félix Tshisekedi est au pouvoir.
Donc, la solution, je l'ai dit, il n'est pas encore trop tard. Nous pouvons encore faire quelque chose. Et ça, nous l'adressons au président de la République, qu'il est grand temps de rétropédaler Yakoloba Keno. Définissons l'Ouganda par Topé Saé, par exemple, ce qui est un mois. Dans un mois, Oyo, commencez déjà à vous retirer. Parce que si un mois est coquille, que vous allez là comme mon côté, c'est-à-dire que vous n'êtes pas venu ici pour faire quoi que ce soit. Batouana, Batouba, ADF, Bazako, Toza, Koloba, Ezaba, Fardes, vous allez voir, vous allez constater qu'il y aura une accalmie. Donc, pe moko ekokota na est, mais ça sera difficile à ce que to remove batwana ba ugande ba zo ba bima ba kende sans que il n'est assuré que non mission na bango eza ekokami mission na bango eza nini. Nous tous nous ne comprenons pas la mission, mais nous savons que c'est un grand pas vers la balkanisation à Congo. Uganda kotia pekuna ako rassurer bato alobi te biso to kotia la bino administration malamu, vous serez bien si vous n'êtes pas à Kinshasa. Ils vont nous influencer et même s'ils le font, ils auront peut-être yangwana toza koloba. C'est à ce moment-là qu'ils feront la même chose que Kagame a sala kana Congo. Kagame fait quoi? Il va influencer akotinda bato bato bakokota ba, ils vont prendre l'armée bangone mutu bakozala influent. Comme Kagame était influent dans Kabila. Tout ce qui se passait au Congo devrait être discuté à Kigali. Vous allez constater, beaucoup de politiciens vont commencer maintenant à aller vers l'Ouganda. Et il y en a même qui sont déjà là aujourd'hui. Parce que plein de balkanisation et kotisikoyo vraiment makasi. Et maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas pour vous mentir, la population est prête à cette balkanisation. Même moi, aujourd'hui, si on me demandait qu'est-ce qui vaut le mieux, la paix sans la balkanisation, ou bien la paix en balkanisant le pays, ou bien totika la kaka naba trouble naba aventurier à Kinshasa, qu'est-ce qui doit être choisi? Vous allez constater que batwebele ba kozala na petit à petit les gens vont commencer à adhérer à cette idée de balkanisation. Et kozala faute ya nani? Il n'y a qu'un seul homme que nous devons condamner, c'est celui qui est à la tête de ce pays, Félix Antoine Tshisekedi. Félix, c'est toi qui es le commanditaire. Donc, yonde mouto déclenché sikoyo likambo à balkanisation. Parce que, na 2022, na ebité. 2023, on a osako préparé ba élection na yo. Mais ba élection ane kozala jamais na est du pays. Comment vous pouvez accepter likambo à ba état de siège oyo préparate? Vous ne voulez pas entendre ce que le peuple vous dise. Alors, toko kome la wapi? Bah, résultat yango eza komona na keno, vous ne maîtrisez absolument rien. En tout cas, nous allons encore nous arrêter ici. Merci en tout cas pour tous ceux qui sont en train de s'abonner. Je vous remercie pour tous ceux qui sont en train de me supporter. Tindelanga ba courage. En tout cas, je suis très émerveillé à Koyoka ou bien à Koyoka yamba ba appel na bino na ndenge boza ko sala. Mais abonnez-vous. Les 4 ou 5 personnes qui m'ont appelé, j'ai constaté qu'ils ne sont même pas abonnés. Beaucoup misaka que monsieur Zakitoko, oui, mais abonnez-vous, laissez des j'aime. Partagez nos émissions parce que en partageant à ce moment-là, ezako pesa biso pe moi poa na kati ya kosala musala oyo. En tout cas, nous continuerons toujours à vous servir. Bozala sûr que nazana ba élément est belé ya babiloko oyo ezako sala mana beni. Des actions de l'armée. Ba tu biloko ebele to lobaka awa, c'est pas biso peto linga peto protéger nani na biso. Mais nous avons des preuves. Le moment venu to kobanda koyebisa bino polele nani azo sala nini, nani akendaki boye, bayaki kosomba bandaku, bayaki na ba diamant, bayaki na ba cassiterite, ba minere uti awa, uti wapi bois, uti wapi coltan eza kote kama awa. Tokoyebisa kabino bino eza nani yango azoya nango, parce que les informations nous parviennent par les mêmes personnes qui sont envoyées par ce même militaire naba homme d'affaires naba politicien ya est. On se revoit alors très prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.